Soyez donc les bienvenus, chers amis, dans votre émission préférée Libre Antenne, parce que je sais bien que vous êtes toujours là au rendez-vous. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir et surtout la curiosité de recevoir. Et curiosité, ce n'est pas un petit mot, je ne le dis pas comme ça. Vous allez comprendre tout de suite, puisque je découvre même en ce moment ce qu'est la thérapie par la musique. Pourquoi ? Parce que ce soir sur ce plateau, nous avons une thérapeute musicale. On va vous expliquer tout ça et je vous assure que plein de vos mots vont disparaître ou alors vont s'atténuer quand vous saurez tout. Alors, sans plus attendre, je tiens à vous présenter la grande, j'allais presque dire la célèbre, mais aussi belle Célia. Quel accueil! Soyez la bienvenue, merci, chère Célia. Merci Jean-Jacques, merci pour ce bel accueil, merci. Alors Célia, déjà nous dire qui tu es et ce qu'est la thérapie musicale. Je regarde le mot pour ne pas me tromper. c'est quoi être thérapeute musicale? Et je n'oublie pas de saluer celle qui officie aux manettes là aujourd'hui. C'est Manuela Monlouis. Moi, je crois que tu la connaissais. Je l'ai déjà rencontré. Voilà, très donc gentil, Manuela, merci. Bel accueil, vraiment. Ah, Manuela, c'est une spécialiste en tout, n'est-ce pas? Oui, oui, non, c'est vrai qu'elle est au top. Manuela, merci. Et c'est pas pour te flatter, tu le sais bien. Même si je le pense vraiment. Ouais, mais j'ai pas compris ce que j'ai dit. Bien, alors Célia, oui. Nous allons rentrer directement dans la thérapie. Oui, alors la thérapie musicale, en fait, je te dirais que la thérapie par la musique, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis déjà plus de 6000 ans en Chine, en Inde. Ils utilisent la musique pour pouvoir se soigner. Il y a même des sons et des vibrations qui sont associés à différentes parties du corps qui permettent d'enlever certains mots. Donc, beaucoup de gens connaissent le « om » pour la méditation. Il y a même toute une gamme au niveau de la musique qui est associée aux chakras en Inde. Donc, la thérapie par la musique, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est rentré dans certaines cultures, moins dans la nôtre. Et je te dirais même qu'on connaît Pythagore pour son fameux théorème, mais Pythagore, les Grecs étudiaient eux aussi la musique déjà. Au même titre que les mathématiques, et il enseignait même les bienfaits à Crotone, je pense, qui était à l'époque où il pouvait enseigner son savoir. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est vrai que de notre côté du globe, c'est quelque chose qui se fait un peu moins, mais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont ouvertes à cette thérapie. Et je te dirais qu'on en est tous plus ou moins conscients. Parce que si tu vas au gym, tu vas mettre une musique genre tin, 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 tin. Tu sais, une musique là qui a du rythme. Maintenant, si tu as un petit rendez-vous galant, tu es avec madame. Là, tu vas plus mettre un « Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat. » Tu vas lui mettre une petite musique d'ambiance. Donc, on est déjà conscient, quand on arrive dans notre voiture, après une longue journée, tu es dans l'embouteillage, tu peux mettre un petit cassave. Tu vas mettre quelque chose qui va mettre une ambiance. Il y a même des... Rebooster un petit peu. Voilà. J'ai même un cousin qui est créateur d'ambiance. Il ne se dit pas DJ, il se dit créateur d'ambiance parce qu'il va habiller l'ambiance en fonction de l'événement, en fonction de, même du standing que tu veux mettre. Donc la musique en tant que telle, en tant que thérapie, c'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement, ne serait-ce qu'instinctivement. Mais comment tu as rencontré... cette discipline? C'est une excellente question. Alors, j'étais au Canada et je te dirais que comme toute personne, on vit du stress, on vit... le Canada est un pays extraordinaire, mais c'est on là aussi... Et j'en sais quelque chose. Oui, on en a parlé un peu avant l'émission. Il n'y a pas qu'en Martinique, vraiment. Je pense que tous les pays du monde vivent du stress. Mmh. Avec le confinement, les élèves dans les écoles, le taux de suicide, le taux de dépression, voilà, augmente. C'est triste, mais c'est une réalité. Et personnellement, au travail, j'avais un travail que j'aimais beaucoup, mais j'avais deux superviseurs qui avaient un gros problème avec ma couleur de peau. Et j'étais la seule dans tout le service à être une belle femme bronzée de couleur. Donc, j'ai commencé à voir des choses qui n'étaient pas correctes.
L'avantage, c'est qu'il y avait un syndicat, donc j'ai pris à bras le corps en fait des fonctions au niveau syndicat. Je suis devenue représentante des francophones de la province dans le comité des droits de la personne, carrément. Tout ça au Canada. Tout ça au Canada, et parce que je trouvais vraiment injuste que plusieurs personnes... Il y a beaucoup d'immigrés à Toronto, je vis à Toronto, et on est plus de 220 nationalités. Et en ce moment, les écoles francophones grossissent parce qu'il y a beaucoup d'immigration, donc il y a beaucoup de personnes de couleur qui viennent. Et donc, je trouvais ça dommage que, en tant que personne de couleur et représentante de cette nouvelle population, que je me fasse taper dessus à cause de ma couleur. Je me dis, là, on est quand même au 20e siècle, on arrête, là, l'esclavage est fini. Donc, j'ai le droit de dire stop. Et c'est vrai que, pour faire une longue histoire, une histoire courte, ça m'a vraiment causé énormément de stress, au point qu'à un moment, ça se voyait dans ma santé. Ma santé se dégradait, ma vision, ma vue se dégradait. Et... mon mari passait aussi par une période de stress. On a cherché des solutions et on a rencontré un grand maître chinois qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tu sais, les maîtres que tu vois dans les films, là, qui ont deux disciples et puis qui ne disent pas leurs secrets. Ben, en Chine, c'est comme ça. Ils ont des disciples, ça se transmet, mais ça ne se partage pas. Et en fait, c'est un monsieur qui a écrit plus de 25 livres, dont 11 sont New York Times best-seller, donc ce sont des meilleures ventes aux États-Unis. Et en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un grand maître chinois partage ses secrets, qui existent là depuis 6000 ans, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Et mon mari l'a découvert. Et mon mari devait se faire amputer de la main. En tout cas, c'était toute une histoire. Il n'arrivait pas à se soigner. Et ce monsieur a réussi à l'aider. Plus d'amputation. La médecine n'arrivait pas à l'aider. Et ce grand maître chinois qui s'appelle Master Sha, docteur et Master Jigang Sha, qui est docteur de médecine traditionnelle chinoise et qui est aussi docteur de notre médecine à nous, a réussi. Alors, comment il a fait ça? C'est quelqu'un de très accompli. Bon, vous pourrez chercher davantage sur lui, mais c'est quelqu'un qui a plusieurs... distinction sur le plan international. En Chine, il est considéré comme un trésor national. Bon, ils sont 1 milliard, donc trésor national, faut vraiment être bon. Et en fait, pour son savoir, c'est quelqu'un qui fait de l'humanitaire, qui a reçu le Martin Luther King Humanitarian Award. Donc, c'est un award, un prix international pour les actions humanitaires dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a un cœur immense. Et justement, on a appris ces techniques avec lui. Une des techniques s'appelle les Dao Hands. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet de... Je te donne un exemple. Si tu es stressé, je ne vais pas donner d'exemple, tout le monde a des exemples de stress, mais je prends l'exemple du stress. Tu es stressé, le stress va provoquer en toi un blocage énergétique. D'accord? Parce que ça va bloquer à bien des niveaux, et puis ça, on peut aller le chercher. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Maintenant, en temps normal, quand tu es de bonne humeur, tu as un champ vibratoire. Tout a un champ vibratoire. Tu sais, nos cellules, elles se contractent. La contraction des cellules crée un champ vibratoire. On est capable de le mesurer, hein? C'est pas nouveau. Tout a un champ vibratoire, toi, moi... mon cellulaire, un champ vibratoire. D'ailleurs, quand on appelle, ben, on ne voit pas les ondes, hein, mais on n'est pas surpris quand ça sonne. Ce sont des ondes. Donc, tout est un champ vibratoire. Quand on est en bonne santé, notre champ vibratoire, tout circule, l'énergie circule dans les méridiens, on est de bonne humeur, et notre champ est léger, et notre fréquence est haute. Quand on a du stress... ça va créer un blocage. On a de l'inquiétude, on a de la peur, on a de la discrimination. Et tout ça crée des blocages qui vont bloquer en fait notre champ vibratoire. Comme tu avais au départ. Exactement. Ouais. Et moi, j'avais un gros blocage, puisque quand tu es au travail, tu as quelqu'un qui ne t'aime pas, et en plus, c'est ton patron, bon... et pas douce. Donc, voilà. Donc, tu sais de quoi je parle. Donc, du coup, moi, ça me créait beaucoup de stress. Le stress, ben, c'est bien connu, ça va affecter... ton corps, les cellules, et donc ça va affecter ta santé, ton humeur, ta vision aussi, ce qui fait que je cherchais des solutions sur le plan humain, donc en passant par le syndicat, donc vous l'aurez compris, et des solutions aussi sur le plan relationnel et sur le plan spirituel, parce que je me disais, il doit y avoir un karma pour que ce monsieur-là, qui était super au début, il y avait 13 candidats, c'est lui qui m'a choisi, et il m'a choisi pour ensuite être discriminatoire, il doit y avoir un karma quelque part, en tout cas, et donc, j'ai progressivement appris, OK, comment enlever des blocages au niveau du champ vibratoire, donc au niveau du stress, pour augmenter mon propre bien-être.
J'ai réalisé que ça fonctionnait. J'ai dit waouh. Et je vais vous partager quelque chose. À l'époque, j'avais tellement de stress, j'avais même pas 40 ans, que j'étais dans un supermarché et un jour, ma vessie a lâché. Alors, je ne sais pas si tu imagines, les solutions que mon médecin m'a données, c'est des couches pour adultes. Alors, j'ai dit, il en est hors de question. Je vais arrêter de boire de l'eau, mais je ne sais pas si tu vois, quand tu ne bois pas d'eau pendant toute une journée, ce n'est pas possible. Donc, au bout d'une semaine, écoute, ça commence à se sentir, tu as soif. Moi, je travaillais dans les écoles avec les jeunes. Je travaillais au niveau de la construction identitaire. Donc, tu aides les jeunes à s'épanouir, etc. Donc, tu parles beaucoup, tu accueilles des artistes, tu fais des conférences, donc tu parles tout le temps. Pas boire, c'est chaud. Et donc, mon mari me parle de ce monsieur. J'essaye les techniques. Mon médecin me dit non, il n'y a pas de solution. J'ai dit, bon, OK, si tu n'as pas de solution, il faut que je cherche ailleurs. Et donc, j'ai découvert les Dao Hands. Et au bout de... Dao Hands. Les mains, les Dao Hands, on va en parler un peu plus tard. Et au bout d'une semaine, avec... j'utilisais aussi une musique de relaxation pour accompagner. Au bout d'une semaine, j'ai remarqué que j'avais plus de soucis. J'ai recommencé à boire de l'eau. Ça fait plus de 6 ans, c'est jamais revenu. Alors, je t'avoue que je suis de nature sceptique, mais je me suis dit, écoute, ça a fonctionné. Je l'ai appliqué sur mon stress, ça a fonctionné. Avec le syndicat, tout ça, au bout de 2 ans, ce monsieur-là, bon, il a été mis de côté parce qu'il faisait des détournements, des choses pas correctes. Il faisait bien son travail, mais il faisait des choses pas correctes et son relationnel était vraiment pas correct non plus. Donc, on a fini par le remercier. Et là, je me suis dit, mais écoute, moi, je suis chanteuse depuis déjà une vingtaine d'années. Ça m'intéressait de savoir, est-ce qu'avec la voix, on peut aussi contribuer au bien-être des gens. En associant les Dao Hands et la voix, oui, on peut contribuer au bien-être des gens. Donc, la voix devient un outil thérapeutique pour justement aider à enlever ces blocages qu'on a dans notre champ vibratoire. Donc, quand le champ est dense avec du stress, de l'inquiétude, à ce moment-là, on va essayer d'apporter du positif pour augmenter les vibrations et donc rétablir un certain équilibre. Alors, je précise que je ne suis pas là pour remplacer votre médecin. Si vous avez un problème, comme je vous disais, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai été voir mon médecin, j'ai dit, regarde, j'ai ce souci-là. C'est la loi, allez les voir, ils sont là pour nous aider. Maintenant, moi, ce que je viens faire, c'est que certains vont aller faire un massage, c'est leur choix. Il y a des façons d'augmenter notre bien-être. Moi, je suis un complément pour pouvoir augmenter le bien-être de ceux qui ont des blocages. Ça veut dire que si j'ai vraiment un blocage, mais par la thérapie musicale, comment ça se passe? C'est une bonne question. Comment ça se passe? C'est-à-dire comment consultation comment se passerait? Non, oui, mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que la personne s'allonge? Ah, OK. Et puis toi, tu chantes, et puis la personne se sent bien. Est-ce qu'il y a une position par rapport à une certaine vocalisation? Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu te déplaces pour aller voir les gens? Est-ce que les gens se déplacent pour venir te voir? Les gens qui cherchent peut-être un soulagement, peut-être pourquoi pas une guérison, mais toi, tu as bien précisé que tu n'es pas médecin. Non. Et que la première des choses, c'est d'aller voir son médecin. Allez-y, c'est important, c'est voilà. La loi, oui. Et toi, tu as une autre méthode pour peut-être... Complémentaire, oui. Oui, complémentaire, pour peut-être soulager. Oui, pour aider à transformer des blocages. Alors, comment ça se passe? Moi, je vis... Là, je suis en Martinique, je suis rentrée pour des funérailles, donc je suis là pour un certain temps. Mais en principe, je vis à Toronto. Donc, au Canada. Et j'ai pas mal de clients ici aux Antilles, en France, au Canada également, bon, là où je vis. Et je vous avoue que le confinement a rendu tout ce qui est électronique très, très en vogue. Je pense que tout le monde est équipé avec Zoom, avec un téléphone ou un ordinateur. Donc, la plupart du temps, les gens qui sont loin de moi, à distance, parce qu'au Canada, le confinement est encore plus sévère. C'est pas 1 mètre, c'est 2 mètres. Donc, c'est... plus sévère, on va dire ça comme ça. Donc, je travaille beaucoup sur Internet, en consultation Internet, où on se voit, soit à travers Zoom, soit à travers WhatsApp. Comme ça, on peut faire comme ça. Oui, tout à fait. En présentiel ou en distanciel, pour employer les termes du COVID-19. Exactement, mon cher. Voilà, donc présentiel ou distanciel, exactement, ça fonctionne. Parce que je te dirais, c'est clair que quand tu vas voir un concert et que tu es assis dans la salle, c'est super.
Mais si tu regardes la rediffusion d'un concert, eh ben, c'est pas mal non plus parce que tu vas avoir des fois des gros plans que tu verrais pas de ta place. Tu vas avoir des autres plans que tu n'aurais jamais vus. J'ai déjà été à plusieurs concerts, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est clair que quand tu vois la rediffusion, tu as d'autres plans que tu ne voyais pas. Tu as des petits clins d'œil du public. Tu as des choses que tu n'aurais pas captées autrement. Donc, c'est l'avantage de la voix et l'avantage des Dauerhans, les ondes, en fait. Peu importe où tu es dans le monde, là. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es. Hein. Si je t'appelle, je te trouve. Hein. C'est magique. Les ondes voyagent. Mm-hmm. Le téléphone, on ne se pose jamais la question, mais quand tu pars, moi, où que tu sois dans le monde, WhatsApp, je te joins. Hein. Dès que tu as un réseau, c'est correct. Et la voix, c'est la même chose. Si je me connecte à... Si je veux voir Zouk TV, je veux voir l'émission, où que je sois dans le monde, je me connecte et je la vois. Donc, la distance n'est pas un souci. La voix... Non plus. Elle voyage justement avec la technologie et elle permet de transmettre un champ vibratoire des ondes et des modulations qui peuvent justement transformer certains blocages. Alors, Célia, oui. Jean-Jacques, il y a des images qu'on va voir, mais oui. Avant ça, je prends un exemple concret. Vas-y. Vous savez, ici, en général, enfin, pour la plupart des personnes, les gens souffrent en général du genou. Mm-hmm. Le genou, bon, c'est vrai en Martinique, il y a des personnes qui sont de forte corpulence, mais mm-hmm. ça joue aussi. Oui. Même des personnes qui ne sont pas obèses, qui ont aussi mal. Peut-être des gens qui font beaucoup de sport. Qui font beaucoup de sport. Ouais, ça peut arriver chez les sportifs. Oui, ouais. Ouais, je prends un cas que je connais bien, moi. Alors, ok. On a cette douleur mm-hmm. persistante, et c'est vrai qu'on a les piqûres, les médicaments, tout mm-hmm. ça, bon, souvent ça revient mm-hmm. et on souffre. Parfois. Alors, est-ce que avec la thérapie musicale, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça peut soulager? Alors, la thérapie musicale, dans certains cas, oui, peut aider la personne à soulager certaines douleurs. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, comme je vous disais, j'ai appris avec Dr. et Master Shaw. J'ai été à l'institut, j'ai passé des diplômes pour pouvoir apprendre. Et en fait, je me base sur la médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 éléments. Si on prend l'élément, si on met par exemple le foie, hein, c'est l'élément bois. On pose sa main sur le foie. On peut poser sa main on sur le foie, mais on peut le faire aussi. Il faut penser très fortement. Moi, je te dirais que c'est mieux. Enfin, je réponds à deux questions en même temps là, mais c'est clair que dans une consultation, si ton souci est au niveau du foie, je vais te demander de mettre la main sur le foie, parce que ici, il y a l'argong, c'est des points d'acupuncture, ce sont des portes énergétiques. Tu sais, quand tu ici, je pense qu'il y a Maïkali. Il y a aussi le Reiki, si tu connais. Il y a même, pour ceux qui sont catholiques, Jésus aussi transmettait de la lumière à travers ce point. C'est une porte énergétique qui, dans beaucoup de cultures et de différentes spiritualités, hein, mm-hmm. transmet justement l'énergie ou la lumière. On peut la voir de plusieurs façons. Donc, dans le corps humain, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'acupuncture, c'est une porte énergétique. Donc, on va la mettre, oui, ici, parce qu'on veut que l'énergie positive soit redirigée justement vers le foie. Donc, si on prend l'exemple du foie, le foie, c'est l'élément majeur de l'élément bois. Et en médecine traditionnelle chinoise, il est relié justement au tendon. Il est relié aussi à l'émotion de déséquilibré, de frustration et de colère. Donc, et aussi à la vue. Donc souvent, on va, encore une fois, d'après la médecine traditionnelle chinoise, on va réaliser que beaucoup de personnes qui soit ont le foie abîmé par des médicaments mm-hmm. ou ont une alimentation avec beaucoup de gras, beaucoup de friture, ce que le foie n'aime pas, ou qui ont un rythme complètement déséquilibré, qui dorment pas bien ou à des heures irrégulières, ou l'alcool aussi peut... Il y a plein de facteurs, hein, votre médecin peut vous renseigner là-dessus, mais quelqu'un qui a un foie en déséquilibre ou quelqu'un qui a beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et quand je parle de frustration, c'est pas forcément... Les femmes ont une frustration très yin. C'est-à-dire qu'une femme va faire... Mais
Quand son visage est marré, elle n'a pas besoin de crier, tu sais qu'elle n'est pas contente. Mais le foie, lui, oh, en médecine traditionnelle chinoise, il emmagasine justement des messages négatifs. Quand on a un message négatif dans un organe, ben, ça crée un champ vibratoire négatif. C'est lié aux yeux. Donc, chez certaines personnes, on peut réaliser que la vue baisse. Chez d'autres, on peut réaliser que, ah, paf, c'est lié au tendon aussi. Donc, effectivement, le genou, qui est une articulation qu'on sollicite beaucoup, eh bien, chez beaucoup de personnes, on peut observer qu'effectivement, quand il y a une colère, quand il y a plusieurs facteurs, on peut souffrir du genou. Ça peut aussi être lié, toujours d'après la médecine traditionnelle chinoise, à l'élément eau qui est les reins, parce que lui, il est lié aux os. Donc, effectivement, l'élément eau, l'organe majeur, c'est les reins. Voilà, et beaucoup d'entre nous, on peut avoir des pathologies, peu importe, des choses qui affectent nos reins, mais c'est aussi la batterie du corps en médecine traditionnelle chinoise. Donc, quand elle se vide, parce que, écoute, on prend tous de l'âge, certains d'entre nous plus vite que d'autres, certains d'entre nous ne boivent pas assez d'eau, ou... il y a plein de choses, plein de facteurs différents là, qui peuvent affecter les reins, qui font que, encore une fois, d'après la médecine traditionnelle chinoise, ça peut venir affecter aussi bien les oreilles au niveau des acouphènes que les os. Donc, on peut avoir plusieurs facteurs qui... Ben, écoute, c'est une science qui existe depuis 6000 ans, comme je te dis, c'est pas nouveau, là. En Orient, ben... Je te dirais que moi, j'ai grandi en Martinique. Hein. Je suis martiniquaise, mes parents aussi. Et mes parents, oui, j'allais chez le médecin, mais dès que j'avais un souci, ils m'emmenaient toujours chez l'acupuncteur. Et je me souviens que j'avais de la sinusite et il m'a fait un traitement. D'ailleurs, j'ai toujours une petite marque là avec les aiguilles et ma sinusite est partie grâce à l'acupuncture. Mes parents étaient très bons chez l'acupuncture. Donc, du coup, c'est pas nouveau en Martinique. C'est peut-être moins connu, mais c'est une science... qui est tout à fait louable. Et il y a des médecins qui sont généralistes et acupuncteurs à la fois. Mais Célia, tout cela, c'est, il faut qu'il y ait la voix, ta voix. Parce que tu chantes. Oui, mais tu chantes aussi. Oui. Mais avant de répondre à la question, je vais demander à Manuela, notre technicienne, si elle peut nous faire entendre ta voix. Parce que tu chantes et oui. on va t'apprécier, on va t'admirer et on va le faire tout de suite. Avec un extrait du nouvel album ? Oui. Excellent ! Manuela.
Waouh. Célia, on sent cette joie de vivre et puis cette voix, tu as travaillé ta voix, quoi. Oui, alors ça fait 20 ans que je chante, j'ai pris des cours particuliers, en fait, j'ai commencé à Montréal avec une dame fantastique, j'en ai pris ici aussi avec Willie Jones qui, je sens, à l'époque, il était à Fort-de-France. Tu parles facilement anglais. Je vis à Toronto, donc je me débrouille bien en anglais. Mais moi, je peux vivre en Allemagne, mais moi, je ne parle pas mon allemand. Je te dirais que ça m'aurait embêté de vivre en Allemagne et de ne pas parler allemand, parce que j'aime bien communiquer avec les gens. Moi, je communique avec toutes les personnes de ma communauté, mais pas besoin de parler allemand. Je ne m'en parle pas les gars aussi, pas de problème. Mais tout ça pour... tu sais, encore une fois, Toronto, c'est une ville très multiculturelle. Il y a plus de 220 nationalités. Donc, si tu veux communiquer avec les gens, you'd better speak English. Tu dois parler anglais. Parce que celui-là vient de tel pays. Tu sais, rien que dans mes voisins, là, la plupart viennent d'Inde, d'Afghanistan et ils viennent pas de quoi, excuse-moi? Du bois. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y avait un bois près de chez eux. Je sais pas. Alors, comme tu me parles, ils viennent d'Inde et tout ça. Enfin bref, c'est pas bien grave. Mais il y a vraiment des gens de partout. Donc du coup, t'es obligé de parler anglais pour communiquer, parce que sinon... Ouais, c'est la langue qui réunit un peu tout le monde. Oui, voilà, exactement. Qui réunit un peu tout le monde. Alors, mais là, on peut revenir sur ce clip. Oui. Sur ce clip. On voit un bébé. Oui, c'est ma fille. Alors, il y a deux bébés, en fait, dans le clip. Il y a ma fille et il y a la fille d'une amie qui me ressemble énormément, qui est une très bonne amie et qu'on appelle ma jumelle, d'ailleurs, mais elle est plus grande que moi, bon, mais je pense que c'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et qu'il y a une fille qui a 6 mois de plus que mon bébé, donc du coup elle était là et elles se ressemblent les deux, donc il y a deux bébés en fait. Mais pour répondre à ta question, ça c'est un extrait de mon dernier album, on va en parler un peu plus tard, Elixir, qui est un... En fait, cet album-là, Il y a un son limpide malgré tout, hein. Le quoi? Il y a un son limpide quand. Oui, écoute, l'ingé son, c'est quelqu'un de très talentueux avec qui on a travaillé, qui est vraiment extraordinaire. Et c'est un album qui se veut un mélange de reggae, d'opéra et de thérapie musicale. Donc il y a 12 atmosphères qui vont. Chacun des thèmes est un thème pour pouvoir aider l'être humain en général à augmenter sa fréquence de façon positive. Il y a un thème sur l'amour, la paix, l'harmonie, la compassion. Donc, c'est que des messages qu'on voulait, parce que je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec... La nature, Je te dirais que l'harmonie, la paix, c'est pas mal la nature, ça, l'amour. Mais, oui, la nature en général. La planète, la Terre. Tu sais, si on augmente nos fréquences et qu'on débloque nos champs vibratoires, on fait du bien à la planète. Wow. Ah oui, définitivement. Parce Alors, que oui, on vas-y. Va, on va. Déjà, rien que le fait d'être plus agréable pour les gens autour de toi, ça fait moins de pollution. Et le fait d'avoir une attitude respectueuse, ne serait-ce que d'harmonie. Tu sais, en tout cas, c'était pas facile de se garer quand je suis arrivée. Et il y a un monsieur qui a arrêté la circulation carrément pour m'aider à me garer, quoi. Bref. Ici? Oui, devant Zouk TV. Donc. Les gens n'ont pas du tout rouspété. Ils ont compris, il y avait une belle harmonie, il y avait une belle cohésion. C'est le succès de Zouk TV. En fait. Exactement. Donc, rien que l'harmonie en tant que telle va te permettre de respecter ton voisin, de ne pas passer ta tondeuse à des heures inappropriées. Oula. Donc, ah là, tu réveilles les choses, là, mes chers amis. Je dis simplement que... Il faut être positif et puis respecter les uns. On a tous nos blocages, mais je dis que les vertus, les qualités qui sont véhiculées, les messages qui sont véhiculés dans l'album sont là pour pouvoir justement apporter comme un vent de fraîcheur. C'est pas une leçon morale du tout. C'est que c'est un album de reggae. Généralement, on écoute du reggae pour se détendre, pour avoir un moment festif, mais que on va dire, à côté de cela, il y a tout le côté thérapie musicale où les sons, les vibrations, les mots, les messages qui ont été choisis sont là pour que quand tu l'écoutes, tu déstresses. Pour la que paix. Quand tu le mets dans ta voiture, là, tu as ta paix. Quand la ton ado, là, veut un album, parce que là, je travaille avec les écoles à Toronto, les jeunes, quand ils adoptent une musique, ils l'écoutent en boucle. Donc, quand le message est négatif, c'est très embêtant parce qu'ils écoutent quelque chose qui les fait chuter. Alors que quand le message est positif, ça permet de les édifier. Je ne te dis pas que ça va tout changer dans leur vie, non. Mais au moins, ça permet de rester dans un environnement qui est plus serein. Bon, ça, c'est, on est dans la partie de ton album. Est-ce que le public...
peut trouver ton album? Bien sûr, vous allez sur celiaopera.com et c'est là, Celia, C-E-L-I-A, opera.com, et vous pouvez le downloader. Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé justement au niveau de la musique. Oui. Est-ce que tu as d'autres albums? Oui, il y en a d'autres. Alors, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas encore tous sur le site parce qu'on a créé ce site-là pour l'album. On va les mettre au fur et à mesure. Le dernier qu'on a présenté, c'était avec Jia Chang Vibe. Justement, il y avait mes deux adolescents. On avait aussi quelqu'un d'extraordinaire qui vient d'Inde et qui joue du tabla. Et on a fait une tournée en Ontario. Et en fait, c'était vraiment de la musique de relaxation. Ou je ne sais pas si vous connaissez le hand drum, c'est comme c'est hérité du steel band. Le steel band c'est creux, ouais. Et le hand drum ça ressemble un peu plus à une soucoupe volante. Et les sons sont très aériens, sont vraiment très beaux, et ça permet justement de solliciter justement la relaxation beaucoup. Donc on a fait une tournée, on est allé dans le nord, très loin dans le nord, à des endroits où on n'avait jamais été d'ailleurs, ouais. Et c'était intéressant. Plus tu montes, plus il fait froid. C'était pas la période. Ben, c'était en été, donc ça va. En été, ça va. Mais d'accord. C'est vrai que des fois, tu montes. On a été des fois à 6 heures de route à Toronto, il neige pas, puis tu arrives là, il y a une tempête de neige. Tu dis, wow, je suis loin. Personnellement, j'aime beaucoup la neige, donc ça va. Pour revenir à ce que tu disais, est-ce que ça marche parce que j'ai une jolie voix? Donc, grâce aux cieux, merci, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé ma voix. Mais je te dirais, ça n'a rien à voir avec les Dao Hands. Je suis chanteuse, donc je choisis d'utiliser ma voix comme un outil thérapeutique. Mais je te dirais qu'en Martinique, il y a déjà plus de 250 personnes qui ont les Dao Hands, qui font des choses extraordinaires tous les jours et qui n'utilisent pas nécessairement leur voix. Parce qu'un champ vibratoire n'a pas besoin d'être accompagné de son. Ah, d'accord. Mm-hmm. Mais est-ce que là, tout de suite, oui. Est-ce que là, oui. On peut avoir une idée? Moi, j'ai été émerveillé. Mais pour nos amis téléspectateurs qui se demandent, mais est-ce qu'on peut écouter sa voix? Alors oui, alors je vais vous chanter quelque chose, mais je vous dirais le mieux là, parce que c'est vrai qu'on s'est parlé avant, mais le mieux, je dirais qu'une consultation, ça va durer 20 à 30 minutes. Donc, il y a des gens qui sont sensibles à l'énergie. Toi, tu étais quelqu'un d'ouvert, qui rencontre beaucoup de monde, donc tu as déjà une sensibilité, une ouverture d'esprit. D'accord. Maintenant, merci. C'est pas, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui sont pas sensibles, qui sont comme de la pierre, qui sentent pas du tout l'énergie. Mais la plupart d'entre nous, on l'est. Je te donne un exemple. Il y a des gens que tu vas voir et puis tu vas dire, je sais pas pourquoi, mais le courant est bien passé. Oui. Cette personne-là, là, on a cliqué ça. On dirait que ça fait 10 ans qu'on se connaît et pourtant on vient de se rencontrer. Mmh. Il y en a d'autres. Ils rentrent dans la salle. Tu dis, ça arrive. Parce que le champ vibratoire de la personne va soit te déranger, soit... Non, mais quand j'ai rencontré Manuela, j'ai... Tout de suite. Ah ben oui, mais Manuela, elle est extraordinaire. Ah, je suis arrivée, rien qu'à l'accueil, j'ai dit, waouh, wow, top. Je me suis sentie bienvenue tout de suite. Elle a une belle vibration, elle est très positive, donc ça aide. Elle a un beau champ vibratoire. Maintenant, je te dirais que certaines personnes vont peut-être rien sentir du tout, et c'est correct. C'est pour ça que nous avons fait l'album. Parce qu'un album, ça te permet justement d'écouter pendant 45 minutes à une heure. Tu peux le mettre en boucle. Mais là, effectivement... Si je te mets du hard rock, il y a des gens qui aiment le hard rock, j'ai aucun problème avec ça. Franchement, il y a de la belle musique de hard rock. Mais si je te mets du hard rock et que tu essaies de faire quelque chose où habituellement tu vas écouter de la musique classique, peut-être que le hard rock va te déranger. Maintenant, si tu vas aller au gym et que je te mets de la musique classique, tu vas me dire, mais non, on ne peut pas mettre un petit bag avec un bon moins plus peps, tu vois, plus d'énergie, parce que tu es peut-être quelqu'un qui aime avoir du rythme. Tu n'as quand même pas mettre du hard rock aussi. Il y en a qui aiment ça. C'est leur choix. J'ai pris l'exemple parce que bon, il y en a qui aiment ça, et puis c'est une musique qui est la plupart du temps très, très rythmée, très forte. Il y en a qui aiment, mais bon, quand je vois ton visage, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas celle que tu préfères, et c'est correct. Mais tu comprends que la musique va affecter notre humeur. Mm-hmm. Donc, l'album s'appelle Elixir. Elixir a été pensé pour que quand tu le mettes, non seulement tu peux danser, mais tu peux relaxer. Le but, là, c'est vraiment de permettre de... Tu le mets, tu mets play, ou oui, tout le monde connaît play, tu es dans ta voiture, ou tu es chez toi, tu fermes les yeux quelques minutes, là, 10 minutes d'élixir, et déjà là, si tu es quelqu'un de sensible, tu vas déjà sentir que, ah, oh, ben ouais, tu es plus relax, là. Ça va aider. Certaines personnes vont peut-être rien sentir du tout, et c'est correct. Comme je disais, on n'est pas tous...
sensibles aux énergies de la même façon. Alors maintenant, est-ce que je peux vous donner un extrait? Bien sûr. La première chanson que vous avez écoutée, ça faisait comme ceci. Lula, lula, li. Lula, lula, la, li. Lula, lula, li, lula, 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 li, lula. Je peux faire autant. Emmanuela, on y va. Bon, mon gars m'a appris là. Hein. Bien. Non, mais c'est merveilleux. Merci. Oh là, mais c'est ça se travaille. Même si on a le talent, on a le don. Ça se travaille. C'est comme même. Tout, hein. Tu sais, c'est comme tout. Hein. Les Martiniquais regardent aussi bien dans le foot que les cuisiniers à Monaco. Il y a un cuisinier martiniquais qui pète tout. La voix, c'est comme tout. Tu vois, il y a des gens que je coach en chant. Je suis coach vocal. Et ça se travaille. C'est pas parce que tu as un bon coach, c'est pas parce que ton entraîneur de foot, c'est le meilleur du monde, que si tu travailles pas, il y a rien qui se passe. C'est comme dans tout. Alors, j'ai vu un monsieur. Oui. Dans le clip, oui. Qui portait les choses à un certain moment. Enceintes, ouais, les haut-parleurs, ouais. Oui. C'est qui, ce monsieur? Ah, ce monsieur-là, c'est mon prince charmant. C'est mon inspiration. C'est avec lui qu'on a écrit l'album. Et il connaît, il participe à la thérapie musicale? Alors oui, il connaît la thérapie musicale. Lui, alors quand je te parle des Dowhands, c'est justement le responsable du centre martiniquais des Dowhands, enfin, sur la Caraïbe, en fait. Il s'appelle Gilles Néplaz. C'est mon mari. Ah. Je te dis, c'est mon prince charmant. Et en fait, il a commencé par venir aider après le cyclone qu'il y avait eu en Dominique. Il a dit, écoute, parce qu'il y avait des soucis pour aider la Dominique, il a dit, écoute, moi, je vais aller aider la Dominique. J'ai dit, tu vas aller aider la Dominique. Il m'a dit, oui. J'ai dit, OK, comment tu comptes faire ça? Il m'a dit, on va faire une levée de fonds, on va acheter des filtres d'eau, on va acheter des choses, etc. En tout cas, il a organisé la levée de fonds, on a pris une partie de nos économies, on a acheté des filtres d'eau à nos frais. Il est parti en Dominique. Il est allé là-bas, il a dit, écoute, moi, j'ai les Dowhands. Master Charles avait aidé à ne pas couper son bras. Donc, je suis très heureuse. Il a toujours... Ouais. Parce qu'en fait, il avait une pathologie que personne n'arrivait à trouver. Il avait essayé toutes sortes de... Pendant plus d'un an, il avait essayé toutes sortes de thérapies. Rien ne durait. Ouais. Et les médecins disaient, écoute, on peut te couper la main ou si on attend 6 mois, on coupera à l'épaule. On coupera au coude. Donc, du coup, avec Master Charles a aidé à arrêter ce problème. Il a toujours sa main. Et comment il a fait? Quand on a un problème, le champ vibratoire est dense et bloqué. Ah. Quand on arrive à justement enlever ce blocage, eh ben ça peut rétablir, dans certains cas, ça peut aider à rétablir justement la circulation énergétique, enlever le blocage au niveau cellulaire et rétablir le bien-être. Et dans lui, son cas, dans son cas, oui, ça s'est rétabli. Il avait la main qui était devenue paralysée et il a retrouvé l'usage de ses doigts. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, vu que lui, il avait eu cette guérison miracle, littéralement, il s'est dit, OK, il a suivi la formation pour recevoir les Dowhands. D'ailleurs, il la donne en Martinique en français parce que nous, tout ce qu'on a fait là-bas, c'était en anglais, évidemment. Je sais qu'il y a des gens qui parlent anglais en Martinique, mais c'est quand même plus facile quand tout est en français. Et donc, il a dit, je vais aller en Dominique, je vais aider les gens à nos frais.
à ses frais. J'ai dit OK. Donc, moi, je suis toujours pour soutenir ce que... Bah, une épouse soutient ce que son mari fait quand il croit en lui. Donc, j'ai dit OK. Il a tout organisé. Il est parti tout seul. Il avait déjà quelqu'un qu'il connaissait là-bas. Et il a commencé à sillonner avec les routes qui n'en étaient plus vraiment, hein, parce que, bon, il ne restait pas grand-chose. Et il s'est arrêté. Il a commencé à aider les gens. Il y avait là, il y avait des médecins, il y avait un bateau avec des acupuncteurs qui étaient venus de Chine. Mmh. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui s'étaient mobilisés pour aider. Et il a dit, OK, moi, je vais apporter mon aide aussi. Et c'est vrai qu'il a pu aider pas mal de personnes, dont les Kalinago, qui sont les Premières Nations et qu'on salue au passage. Beaucoup de respect pour ces personnes. Et donc, les gens commençaient à poser des questions, se dire, mais comment tu fais ça? Est-ce que moi aussi, je peux avoir les Dao Hands? Écoute, moi, j'ai fait des études dans une université, t'es diplômée, donc est-ce qu'on peut suivre le même parcours et avoir... c'est pas un diplôme, c'est quand même une certification, tu dois suivre une formation pour... mais est-ce que c'est possible que moi aussi, je les ai? Et oui, donc il y a eu pas mal d'intérêt en Martinique et maintenant, il y a déjà quasiment 250 à 300 personnes qui... peuvent justement augmenter leur bien-être et ceux de leur entourage grâce aux Dao Hands. Alors, si tu permets, Célia. Oui. Est-ce qu'on peut voir des images de, justement, de ton mari? Oui, bien sûr. Qui, avec une personne, oui. Et puis on va voir ce qui va se passer. On ne va exactement. Pas déflorer le contenu quand même de ce petit film. Alors, Manuela, on y va tout de suite. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles sont tes douleurs? C'est la hanche. Mais il y a 3 ans, j'ai fait une sorte d'arthrite septique. On ne sait pas d'où ça vient, pourquoi. Je n'ai plus d'amplitude dans le genou. Le genou ne... Je suis raide. Ok. Je suis raide du Donc genou. Tu ne peux pas plier? Non, ça fait 3 ans que j'ai une sciatique. 3 ans. On ne va pas dire récurrente, on va dire permanente. Ok. Et la douleur est à combien? Ah, là, des fois, elle est à 7. Hein. Elle 7 est sur 10? Ah oui. Et aujourd'hui, tu as une douleur de combien? Ben, aujourd'hui, je devais être à 5, 6 sur 10. Hein. C'est... Ah, oui, c'est... Ouh là là, il faut que je guide le bras pour me soulager moi-même, pour pouvoir... Ok. Alors, est-ce que tu peux te lever, marcher un petit peu, on va voir avant et après. Ok. Essaye de voir comment tu arrives, c'est quoi ton maximum? Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur des points. Quand je vais appuyer, tu vas souffler, ok? Pour pas que... Faire ça? Voilà, tiens. Inspire, souffle. Ici, ça fait mal. Ah oui. Le foie. Tout le pied. Répète après moi. Cher Shen Shi Jing. Cher Shen Shi Jing. De mon dos. De mon dos. Du son Jo. Du sang dur. Et de mes mains. Et de mes mains. Je vous apprécie. Je vous apprécie. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. De réduire mes douleurs. De réduire mes douleurs. Et de me guérir. Et de me guérir. Merci. Merci. Hao, hao, hao. Lève-toi, bouge la jambe. Mais j'ai pas de douleur, mais elle monte un petit peu plus. Oui. Elle est un petit peu plus. Marche, reviens. Waouh. Mais j'ai rien senti là où j'ai mal d'habitude, en tout cas. Alors, la douleur était à combien au départ? Là, j'avais dit 7. Hein. 7 sur 10 oui, 7. Et c'est quoi la douleur maintenant? Là, j'ai rien, là. En tout cas, zéro? J'ai rien. Pas mentir, j'ai rien. Good. Good. Ça ferme. Tes bras non plus, ça va? Le bras, bah. Waouh! Et celui-là. Good. Excellent. Tu es contente?
Moi qui suis une infirmière retraitée, j'ai soigné les gens toute ma vie, je n'ai jamais rendu quelqu'un aussi bien, aussi vite que Gilles m'a rendu bien. En plus, sans médicaments. Parce que j'ai été 3 ans sous morphine, ça n'a jamais rien calmé du tout. Ensuite, j'ai eu 86 séances de kiné, qui n'ont rien donné. Quand je rentrais chez moi, j'avais encore plus mal que quand j'arrivais chez le kiné. Par conséquent, j'aime mieux encore me pencher du côté de Gilles, qui quand même, en plus, c'est pas violent comme soin, c'est une pratique douce et qui fait du bien, qui relaxe, qui fait du bien et qui donne des résultats. Qui donne des résultats. Et c'est la première fois que je le vois. Je suis stupéfait. Ça mérite explication, bien que tu nous as déjà dit tellement de choses. Et là, on se rend compte, effectivement, que ça marche. Ça oui, marche. Ça marche, oui. Mais alors, ça marche peut-être pas tout le temps, mais quand ça marche, ça marche. Effectivement. C'est comme pour les médicaments. Mais écoute, c'est comme pour tout. Il y a des personnes pour qui ça va fonctionner très bien, d'autres, ça va peut-être pas fonctionner. Écoute, de toute façon, encore une fois, quand on a un souci, la première chose à faire, va voir ton médecin et aie un diagnostic. La dame dans la vidéo, elle est arrivée, bon, elle était infirmière de profession, donc bon, elle est du milieu médical, mais elle avait son diagnostic, elle était voir son médecin, elle était suivie. Et c'est la première chose. C'est la démarche logique et légale à faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont voir des naturopathes, qui vont voir des acupuncteurs, qui vont voir des masseurs. Il y a toute une panoplie de, on va dire, de médecine douce, en fait. D'autres thérapies qui sont disponibles pour les gens. Et la thérapie musicale, dans mon cas, je me sers de ma voix et des Dao Hands. Dans le cas de Gilles, dans le documentaire, lui, il est professeur de médecine traditionnelle chinoise. Donc, il est aussi très au fait des points d'acupression. Donc, il peut s'en servir également pour associer aux Dao Hands. Maintenant, il y a des gens qui font des massages, qui vont associer les Dao Hands au massage. Pour encore une fois, le but, là, c'est vraiment d'augmenter le bien-être des gens. D'augmenter le bien-être, de diminuer le stress. Mais Célia, est-ce que des gens... Des gens vous témoignent leur satisfaction, vous disent que vous m'avez fait du bien. Oh oui. Il y a des témoignages de oui, ça. Oui, ben je pense que un des témoignages qu'on pourra voir bientôt, c'est celui je donne des. Ben c'est clair que je reçois en consultation quelqu'un qui a un souci particulier. J'aime lui donner mon 100%, donc on se voit en consultation. Maintenant, j'organise ce qu'on appelle des bootcamps, qui sont des séances de pratique hebdomadaires qui permettent de travailler sur une émotion en déséquilibre en particulier. Donc, la dame qu'on va voir, justement, on travaillait sur... c'était un bootcamp où elle a... une amie, sa nièce qui est en Guyane lui a recommandé le bootcamp, donc elle a dit ok, elle va essayer. Et c'est une dame qui avait eu un choc émotionnel suite à un décès, et donc elle prenait des antidépresseurs depuis 7 ans. Donc elle était suivie, et effectivement elle a suivi le bootcamp avec moi pendant à peu près un mois, et avec l'accord de son médecin elle a pu arrêter les antidépresseurs. Donc dans son cas ça a très bien fonctionné. Maintenant c'est un des témoignages qu'on peut voir. Mais est-ce qu'on peut voir ce témoignage tout de suite? Allons-y. Alors Manuela, si tu es prête, ben nous le sommes aussi. Bonsoir à tous, je suis Annick de Guadeloupe. Par contre le son. Et c'est avec un grand plaisir que je vous fais cette mini-vidéo. Il y a 7 ans, j'ai eu une grosse dépression. Et évidemment, j'étais sous antidépresseur. Et au fin janvier, j'ai eu ma nièce. Et je lui ai dit que j'en ai vraiment marre de prendre ces antidépresseurs. Il faut que je trouve une solution afin que je mette fin à tout cela. Et elle m'a conseillé de suivre les séances de relaxation avec Célia, les séances de bien-être. Et effectivement, j'ai suivi son conseil, elle m'a donné le lien. Et je me suis connectée et j'ai suivi les bootcamps avec Célia, les séances pour amener le calme, la paix, la joie. Et je peux vous assurer qu'avant la fin du mois de février, j'avais arrêté de prendre les antidépresseurs.
et j'en suis très ravie. Et je vous invite vivement à nous rejoindre, à rejoindre Célia et à suivre ses séances de relaxation, de détente, car nous en avons vraiment besoin pour notre bien-être. Alors rejoignez-nous très vite en ligne avec Célia et Master Gilles avec la formation de Love, Peace and Harmony qui nous fait vraiment des fois toucher presque le ciel. Allez, inscrivez-vous rapidement. Vous n'allez pas le regretter. Merci. Eh bien, témoignage de cette charmante personne, Annick, de son prénom. C'est bien ça, hein, oui. C'est Annick. Oui. Oui. Toi, je sais tout, moi. Demande comment. Je te demande comment, Célia. Alors, Célia, alors, témoignage vrai, témoignage profond, témoignage poignant. Mais il faut quand même, alors je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont remarqué, mais il est écrit quelque chose d'important à la fin. Est-ce que tu peux nous... Oui, il écrit que ni Gilles ni moi... Il écrit que ni Gilles ni moi ne recommandons à qui que ce soit l'arrêt de médicaments, du tout. Si vous voulez arrêter, et elle l'a fait, elle a consulté son médecin. Nous sommes là pour transformer des blocages qui sont liés effectivement au stress, aux douleurs, au déséquilibre émotionnel. Mais les professionnels de la santé sont... les numéros 1 qu'il faut obligatoirement consulter pour avoir un diagnostic, un suivi. Et après cela, effectivement, vous avez, je l'ai déjà mentionné, une panoplie d'autres services, d'autres thérapeutes qui sont à votre disposition et que vous pouvez consulter en complément. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez visiter mon site web, briller-avec-celia.com. Tu vas oui. Trop vite. Je vais trop vite. Alors, le site web briller, B-R-I-2-L-E-R, avec... Célia, C-E-L-I-A. Et je pense que je vais vous donner le numéro de téléphone. Absolument. Pour ceux quel qui moyen préfèrent pour te contacter rejoindre autre. Ma merveilleuse assistante, Anna. Alors, c'est un cellulaire et le numéro, c'est le 28-33-00. 28-33-00. Donc, si vous voulez une consultation, si vous voulez... Alors, dans la vidéo, elle a parlé de Love, Peace, Harmony. Oui. Amour, paix et harmonie. Alors, effectivement, tous les mercredis à 18h, on fait une séance, Gilles et moi, pour pouvoir aider les gens avec la musique Love, Peace, Harmony, qui est une chanson thérapeutique qui est déjà utilisée par plusieurs millions de personnes dans le monde. Hein. C'est pas nouveau. Elle est utilisée dans les écoles, à la police, pour les vétérans à Hawaï. C'est une thérapie qui a été optée par le gouvernement, approuvée par le gouvernement. Elle est utilisée dans les écoles. Il y a des exemples, il y a même des gens qui se sont réveillés du coma en l'écoutant, grâce au support bien sûr médical et l'appui de la chanson, ça a aidé la personne à sortir du coma. Donc il y a vraiment des résultats extraordinaires. Il y a un site web, lovepeaceharmony.org, où vous avez des milliers d'exemples incroyables de gens à travers toute la planète. Et nous tenons tous les mercredis, Gilles et moi, une session gratuite où les gens peuvent venir et essayer, goûter. Surtout si vous êtes sceptique. Moi, je suis très sceptique, mais très curieuse. Donc, du coup, je suis ouverte à aller voir. Et je pense que c'est ça ma force, c'est d'être ouverte. Parce que sceptique, pour être sceptique, bon, on bute la tête dans le mur, là, bof. Mais sceptique, curieux... T'es convaincu, fantastique, t'essayes. T'es pas convaincu, ben tu passes à autre chose, c'est pas grave. Mais j'ai été goûtée, j'ai vu que le mango était doux, j'ai mangé tout. Et depuis, j'avoue que j'apprécie de voir les gens qui peuvent avoir un mieux-être augmenté grâce à la thérapie musicale et aux Darhams. Bien. Tu sais, Célia, nous sommes déjà... à la fin de l'émission. Déjà. Oui, mais Célia, il y aurait tellement de choses à dire qu'une émission ne suffirait pas. Tu le sais bien. Je suppose. Bien. mais là, tout de suite, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet que tu aurais aimé développer, qu'on n'a pas eu le temps de faire? Est-ce que tu aurais aimé parler de quelque chose avant qu'on termine? Oui, alors moi, j'invite vraiment les gens à visiter celiaopera.com, qui est le site web où on va trouver l'album, le dernier album Elixir. Et dessus, vous avez une feuille de contact
pour pouvoir vous enregistrer. Parce que j'ai fait le lancement en Martinique virtuel. Par contre, on va le refaire au Canada. Et là, vous pourrez découvrir l'album en grand et être en live. Et ce sera cadeau. C'est-à-dire que tous ceux qui seront inscrits vont pouvoir avoir un lien pour pouvoir assister gratuitement au concert. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à vous faire ce cadeau. Vous pouvez déjà préécouter l'album sur le site web. Et vous pouvez le commander, bien sûr, pour vous faire du bien. Et puis swinguer un petit peu et relâcher du stress. Autre chose, je vous invite... Mais le commander comment ? En ligne, parce que... On redonne... Alors, le site web Celia, C-E-L-I-A, Opera, O-P-E-R-A.com, CeliaOpera.com. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez le télécharger. Alors, avec le COVID, vu que la poste... La poste ? La poste... à des fois des blocages au Canada. Ah ben, il suffit de faire comme tu dis. Donc, c'est vrai qu'ils font de leur mieux, mais la législation a changé et ralentit les petits colis. Au Canada. Non, ici, la poste, ça va super bien. Ah, bon, merci. Ça fonctionne très bien. Au Canada, on avait des soucis parce que les gros colis passaient très bien, mais les petits avaient des délais. Donc, faire un album physique, c'est... Tu sais, la personne achète son album, elle veut son album. Tout de suite. La personne achète son album, elle veut son album tout de suite. Donc, le virtuel, ça évite les coûts de livraison, ça évite les délais d'attente et donc les frustrations. Donc, là, tu vas, t'écoutes, tu aimes, tu achètes ton album, tu le reçois tout de suite et tu reçois en plus un email qui te dit « Hey, si tu veux le télécharger, il est là. » Donc, tu as deux façons de pouvoir le recevoir. En le téléchargeant tout de suite ou si tu n'as pas le temps, tu vas recevoir automatiquement un email avec tous les liens pour pouvoir l'avoir. Donc, c'est un album que j'aime beaucoup. Il y a déjà des témoignages de personnes qui l'ont écouté. Et pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, donc vous avez le 28-33-00, ou vous pouvez aussi... 28-33-00. Exactement. Oui. Avec Anna. Où vous pouvez, si vous voulez en apprendre sur les Darren, si ça vous intéresse de vous faire du bien, d'augmenter le bien-être autour de vous, des gens de votre famille, renseignez-vous. Sincèrement, je vous encourage à être curieux. Renseignez-vous. Allez à une séance d'information, c'est gratuit. Regardez, si ça vous tente, fantastique. Si ça ne vous tente pas, fantastique. Vous aurez appris quelque chose de plus. Pour me rejoindre, donc, 28-33-00. Jean-Jacques a retenu le numéro déjà. Absolument. Voilà. 28-33-00. Et vous pouvez aller voir d'autres témoignages sur Briller, B-R-I-2-L-E-R, avec Celia, C-E-L-I-A. Donc, il y a deux C, le avec et le Celia.com. Voilà. Bien. Eh bien, on ne sera pas plus loin. En tout cas, j'ai appris des choses avec toi aujourd'hui, Celia. Ça m'a fait plaisir. Des choses que je ne savais pas, la thérapie musicale. Je pense qu'on en a besoin à Martinique et même beaucoup. Je crois que ça pourrait se développer encore plus grâce à toi et à... Gilles. Et à Gilles. Et un gros merci aussi à Carole, à Marie-Claude, à... Il y a plein de gens qui... À Nick, oui, à Jean-Jacques, à Manuela, à toute l'équipe des Darhens, à Émeric Desormeaux, à toute l'équipe qui, justement, permet aux gens de connaître ce moyen de se faire du bien. Alors, moi, je vous encourage à aller découvrir et je félicite tous ceux qui ont déjà fait le pas et qui aident eux-mêmes à augmenter leur bien-être autour d'eux. Merci pour m'avoir accueilli, Jean-Jacques. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et moi aussi d'ailleurs, et puis avec mon Darren, je vais essayer de faire un peu mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Et Manuela, merci, je crois que Manuela aussi, tu devrais aussi avoir un Darren. Voilà. Les mains, hands, c'est les mains. Ah ouais, d'accord. Dao, donc, c'est la source créatrice en fait. Donc c'est la source créatrice à partir des mains. Voilà, donc merci Manuela pour la partie technique. Oui. C'est Léa. Je ne saurais trop te remercier. Ça m'a fait plaisir. Pardon. Prenez soin de vous et les autres. À bientôt. Bye bye.